Moi, lointain cousin de la déesse Bastet, j'ai entendu parler d'une exposition sur les animaux dans l'Égypte ancienne. Suivez-moi. Je vais vous guider à travers le musée des arts et traditions populaires à Draguignan dans le Var. Nous voici dans la savane peuplée d'animaux que les Égyptiens côtoyaient à cette époque-là. Avez-vous remarqué le serval et le lycaon disparus de l'Égypte actuelle? Toujours présent en Égypte, le cobra, le fennec, le scarabée bousier, qui malgré sa petite taille, représentait le symbole fort de la renaissance du soleil. Tiens, des poules. Des canards. Et même une chouette. Et là, un chat qui veille sur des amulettes, dirait-on. Avez-vous reconnu l'éléphant? J'ai cru entendre un bourdonnement. Des abeilles, regardons de plus près. Intéressantes toutes ces techniques de chasse. Et ces peaux magnifiquement réalisées. Ah, mais attendez que je vous montre à quel point les hommes nous vénéraient en ce temps-là. Le trône de Toutankhamon. Mais c'est que je m'y verrais bien. N'est-ce pas? Voici Anubis, le dieu des morts, à tête de chacal. Et la déesse de la joie, de l'amour, Aton. Ah, un endroit qui me parle.
sans ces maudits chiens envahissants, ce serait le paradis. Regardez comme les Égyptiennes prenaient soin d'elles. Tous ces bijoux, ces palettes à fard, ces peaux à col. Et bien voilà, notre visite s'achève. Mais rien ne vous empêche, quand les temps le permettront, de venir visiter par vous-même cette riche exposition sur la faune de l'Égypte ancienne. À très bientôt.